Eh bien ça, on se rapproche de la rencontre avec l'ours. C'est ça. Ben, je peux lire ça, écoutez. Bah en même temps tu conduisais donc. Ah ouais, non, des fois j'arrive à... quand je conduis. C'est pas très conseillé ça. Ouais, mais bon. T'as un teug. Avec ces chers bruits de bouche. Mère, grand-mère, multi-grand-mère, jeune fille qui s'asseyait dans l'herbe et le gravier exigeait des contremaîtres furieux et embêtés qu'on éteigne les projecteurs et le bruit des bétonneuses. C'est que aussi le Prométhée a donné le langage, donc il a donné le langage, donc il a donné la poésie. C'est que ce qu'il a donné aussi, c'est la révolte, c'est la révolte contre les dieux, c'est aussi ça l'héritage de Prométhée. Mais nous, nous faisons des machines auxquelles nous sommes prêts à nous soumettre bientôt. Alors si Prométhée lui a pu se révolter contre les dieux, est-ce qu'il est possible pour l'homme de se révolter contre la machine, puisque la machine est en train de devenir le modèle de perfection, c'est-à-dire il y a eu des traditions dans lesquelles Dieu est le modèle de perfection. Pour l'homme moderne, la machine est le modèle de perfection.